bon pouvoir pour tout, parce que faut André Michel là pour lever hein. Et faut yon là pour faire un rapport même il y a Petro Caribe sous nous, donc tout le monde a un rôle pour jouer. Je dis moi m'a dit la paix et moi m'a dit consensus général comme citoyen. C'est pas imposé, m'a pas imposé rien parce que je ne vais pas chercher pouvoir moi-même. Mais l'offre les points pouvoir, la presse là, faut compter avec elle. Pas pour elle soudoyer, même Jean l'autre tu comptes faire, mais pour là, pour aider et former la population. Surtout, si c'est des mouns qui est connu et des mouns qui paguent même puissance politique. Parce que m'oublie, non? L'on est candidat et pour sénateur dans le département ou pour député dans la commune. C'est important. Al candidat pour qui ça saye, qui résultat que vous avez gagné. C'est pas tant nos situations et pour chita et pour comprendre nous prendre pouvoir pour compte. Donc, je dis à moi ouvert espace là pour tout le monde. Et c'est ça qui fait m'inviter. Une affaire de lance de l'opposition que j'ai toujours dit. Et d'ailleurs, tout le monde connaît que Massumel m'invite, M. André Michel. M. André Michel, bonsoir. Son plaisir pour nous. Bonsoir. Je vais passer. Merci pour l'invitation. Je me salue avec respect le sénateur La Tortue. Et que nous avons toujours gagné d'excellents rapports ensemble avec lui. Et parfois nous avons un accord, parfois nous avons des accords, mais nous avons plus d'accords que des accords. Et même dans les moments de désaccord, nous avons toujours été sympathiques l'un avec l'autre. Nous comptons saluer dans l'émission Haïti Débat, dans Scoop FM, parce que nous sommes combattants. Et c'est un monde. Le décider de rentrer dans l'opposition, Mbabo Manti, au niveau du secteur démocratique et populaire, l'hypothé. Et c'est un monde, le bon côté la bataille, les batailles. Et son apport, ou capable, et toucher, ou capable de tester. Ce n'est pas seulement parler, mais il est là, il est dans toute bataille, là, il peut te supporter de tous côtés. Je devrais saluer l'après-midi pour me dire que le secteur démocratique la reconnaît la contribution que le poté dans la bataille. Moi, saluer également tout le monde qui a attendu Haïti Débat. Je suis auditeur en pile en Haïti, tant qu'à l'étranger, en province, tant qu'au Port-au-Prince. Je salue la diaspora qui est mobilisée, qui a attendu. Parce que je crois un moment arrivé pour nous inscrire dans la glaise du réel, les revendications de la diaspora. Et ce n'est pas dans la parole en pile seulement, mais au moment arrivé pour commencer à participer dans la gestion politique du pays. Et c'est une raison qui fait nous-mêmes dans SDP, nous disons dans le conseil électoral qui pourra le camper, et moi, pas de doute que je vais support sur ça, il faut que la diaspora soit représentant là-dedans. Parce que nous avons besoin de payer l'école, c'est diaspora, nous avons besoin de payer caisse, c'est diaspora, même durer au voyage pour nous manger, pour que nous avons l'école, souliers, c'est diaspora. Et faut que nous permettre que effectivement vous participez dans la vie politique pays. Hein? D'autant plus que la majorité des ressources humaines qualifiées à Haïti gagnent, c'est dans la diaspora la vivre. Et je crois que son droit de vote diaspora dans la prochaine élection, hein? C'est un bagage qui doit aborder. Il est venu le moment pour que vous participez effectivement dans la gestion politique pays. Ce n'est pas dans pas en pile. Parce que il y a des gens qui prennent la diaspora comme une mine politique. À le faire conférence, l'autre bord, exploitation, chaque jour, chaque jour, etc. Mais à la vérité, il n'y a pas jamais poté effectivement et réellement les revendications de la diaspora. Je salue toute famille victime et tout. Et grand pile monde qui est victime dans cette bataille pendant les 4 dernières années. Et si vous allez à l'hôpital Benameuse, vous demandez les frères Bita pour le barou et Bill. Que le secteur démocratique l'a gagné là-bas. Mais faut que ça y a. C'est plusieurs millions de gourdes. C'est plus de 1500 personnes qui ont été blessées dans cette bataille pendant les 4 dernières années. Sainte la tortue témoin ban là-dedans. C'est plus de 700 mondes qui assassinés, soit dans massacre ou bien dans manifestation. Et SDP, secteur démocratique et populaire, enterré. Entre 350 à 400. Et grand pile là-dedans, au sénateur La Tortue, participer, le rentrer dans la bataille là. En pile victime, plus passer 1000 monde fait prison. Jusqu'à présent, nous avons centaines de prisonniers politiques éparpillés à travers les prisons de la République. Il y a des gens qui oublient tout le bagage ça.
Mais moi-même, moi toujours songeo parce que ça fait partie du combat et c'est l'histoire. Et moi, je crois que nous participons à une émission de qualité, une très bonne émission de débat, pour permettre à la population de comprendre le positionnement de chaque acteur politique. Et je crois que nous avons un moment côté nos besoins d'humilité. Malgré les sacrifices qui ont été consentis par le SDP, le secteur démocratique et populaire, nous croyons qu'à cette phase, il faut associer le plus d'entités possibles à la gestion de cette situation. Il faut qu'il y ait plus de monde qui participe, il faut mettre la société civile, il faut mettre toute politique. Il faut que nous essayions vraiment de faire sacrifice pour nous mener un consensus large. Même si l'unanimité n'a jamais existé en politique, pour nous capables de passer étape ça, parce que le plus important, c'est d'arriver à un accord politique pour gérer cette situation spéciale et mener un pays à, lorsque le moment sera venu, nous en compétition électorale et pour que la population choisisse qui est-ce qui pourrait nous diriger, parce que là, nous avons une situation exceptionnelle et c'est une situation qui n'est pas normale, nous tous nous devons reconnaître ça. Très bien. Mesure, situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, donc, et Maître André Michel est prêt, n'est-ce pas, à jeter une passerelle pour faciliter, n'est-ce pas, que tout groupe est réuni ensemble, c'est ça que tu parles hier. Je dis encore une fois, c'est à la tortue. André Michel reconnaît que Bataille a fait, il dit son poté comme appui. Donc bonsoir, c'est avec plaisir de m'apercevoir sur la plateforme dans Nodia. Bonsoir, Gary Borchal. Salut Val, Campagne, mettez en ordre. Salut André Michel. Maître André Michel, il dit que au départ, moi, je suis un nec d'opposition. C'est plus un monde de pouvoir. De faire opposition institutionnelle sous président Préval. Mais opposition. Quand tu dis opposition institutionnelle, au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement. Mais opposition béton sont l'autre bagaille. Moi, j'étais à l'école de ces messieurs. André, le Wabmené, opposition, dans la forme, moi, j'étais cadeau, manifestation, revendication, sont l'autre opposition. Sont l'autre opposition, puisque on directement connecté avec militants souterrains. Contrairement avec l'Orchita dans le Sénat, hein, où était dans le papier, et où a bataille. Alors, moi, je pense que c'est notre grande expérience, et il faut me dire que je m'apprends un pile bagaille. Et, monsieur, secteur démocratique, dont nous-mêmes nous sommes alliés, nous avons travaillé en pile, nous déplacer dans le pays, et nous sommes arrivés pour que nous avons dit, gardez-le en 3 jours, nous faisons tout le pays. Parce que c'était important pour qu'il y ait contact. Donc, moi, reconnaître toute contribution que monsieur a fait et c'est extrêmement important pour reconnaître contribution ça qui permet que même à la fin le Jovenel dérivé il était senti que le patap ka fait bagaille pour contre parce que c'est mon position qui était là. Nous saluer et moun nan diaspora parce que maître André Michel saluer tout mais on va important que gouverneur banque lundi il dit si c'est pas transfert diaspora la banque centrale doit fermer ça veut dire que réserve qui était dans banque là épuisé n'était-ce que comme diaspora que changer en goût du bayo donc ça veut dire son gros bagaille et passer participation dans vie politique là et dans vie sociale là la transition c'est une nécessité. Moi saluer victimes dans le Grand Sud et Gary Notali dans le Grand Sud. Malheureusement, jusqu'à présent, nous avons des choses difficiles pour nous. Je crois qu'il faut nous continuer pour tes sympathies. Nous saluer prisonniers politiques. Je crois que la bataille doit continuer pour que le plus vite possible y arrive libéré. Et nous saluer spécialement tout le capitaine de la Tibonite qui était au courant. Et Gary déjà, dans le département qui gagne 1 900 000 monde, nous avons des piles qui suivent là. Merci, sénateur. Merci. André, nous allons aller direct. En tant qu'à chercher, à quoi chercher, nous gardons nous, secteur démocratique là, sorti la commission qui était là, le groupe là, donc sortons de communiquer, nous dit nous pas là. Nous avons connu qui point de désaccord qui gagne parce que son coût terrible, pas mon mieux qui est ensemble à voir la prend, pays là, parce que en fait, nous t'ai représenté pour certains monde socle a dit visible de groupe ça l'en sorti ça veut dire il y a mal donne
Donc, parle du groupe de la société civile. La société civile, oui. Ouais. Expliquez à pays, il y a pour quelle raison nous pas là. Bon, permettre que nous saluer vraiment les victimes du Grand Sud, dans NIP, dans Taloyo, semaine passée. Oui. Même si bah, ça a foutu dans tous les pays. Hein. Bon, c'est la vie politique, ça ne ouais. me dérange pas, je m'habitue à ça. Mon dans Sud, mon dans Grandance. Et qui vivent une situation extrêmement compliquée. Et nous espérons l'État a montré capacité pour faire face à cette situation. Et c'est une raison qui fait notre dernière conférence de presse secteur démocratique et populaire fait. Nous demandons l'État, directeur organisme autonome, ministère des Finances, pour gagner une subvention spéciale qui a rejoint les gens qui travaillent dans l'État, qui vivent dans le département NIP, dans le sud, dans la Grandance. Quitte ces professeurs d'école, quitte ces policiers, quitte ces monde qui travaillent dans l'organisme autonome, dans la santé publique, tout le monde a besoin d'une subvention spéciale pour faire face à rentrer l'école là. Parce que moi-même, Gary, le 12 janvier 2010, quand moi était tombé, j'ai une famille qui mourit, la dernière, notamment un neveu, que je considéré comme premier petit garçon, je pense que ça veut dire. Lors levons matin ou bien après-midi, et puis, bon tremblement de terre passé, qui a écrasé, et puis par rien traité. Et c'est très difficile pour moun sa pour faire face à rentrer l'école là. C'est tout le monde. En 14e mois. Ah, bien sûr. C'est tout le monde qui est dans une situation difficile. C'est toute population. Hein? Bon, ça qui arrive, l'État par capable et aider tout le monde à joindre et subvention spéciale là, même que les employés de l'État, qui sont une administration centrale de l'État, qui sont un organisme autonome, faut que l'État fasse un effort pour eux. Moi, j'espère que le ministère des Finances attende les revendications du secteur démocratique là. Moi, j'espère que la direction de l'organisme autonome attende et que justice, bon, et que y a compris la nécessité pour faire un minimum de solidarité. Maintenant, la commission. La commission. Et faut que moi dire que nous faisons plus l'expérience de questions d'accord, proposition de sortie de crise politique. Et depuis 2017, depuis 2018, nous avons fait proposition de sortie de crise, secteur démocratique et populaire, nous avons fait proposition de sortie de crise. Et à Mirbalet, en 2019, nous avons fait un bagage extraordinaire, c'est la torture, l'alternative consensuelle que nous avons signée. C'est un bagage extraordinaire. Et c'est cette proposition de sortie de crise qui pourrait mobiliser le pays, qui pourrait le bord gros bataille pendant 2 mois, 3 mois dans le pays. Nous fait le consensus de Mariotte, nous fait un accord 30 janvier 2021 et qui pourrait mener nous par la suite par consensus dans le choix de Joseph Messène Jean-Louis. Et nous font un bon accord, c'est à toi tu fais accord 5 juin. Et bref, il y a un protocole d'entente nationale qui propose un duo Lambert, Joseph Lambert Ariel Henry pour diriger. C'est-à-dire que nous faisons pile. La société civile là, alors, ils disent pas la société civile, il y a une fraction de la société civile. Oui, bien sûr. Parce que la société civile, comme la classe politique, est plurielle. Mm-hmm. Parce que il y a des gens qui pensaient que c'est seul. La société civile, il y a 2, 3, 4 groupes là-dedans. Il y a la commission qui sont un groupe de la société civile. Mm-hmm. Il y a un groupe marché pour la vie. Ou l'autre groupe encore qui entre dans le gouvernement Ariel Henry, mon pas qu'à dire. La société civile. Qui ça demande de me dire la société civile? Bref, c'est un pays. Il y a une idée roche. Oui. Bon, il y a une idée roche que je n'aime pas. Je fais partie de la société civile. Mais je dois le reconnaître. Bref, la société civile est plurielle comme la classe politique. Mon yo, il y a une démarche entre la dernière. À un certain moment de la durée, nous avons travaillé avec eux. Mais finalement, nous avons des éléments de désaccord. Que je n'ai pas besoin de relater là, parce que peut-être. Capable de possibilité pour nous recommencer de travailler ensemble. Ouais. Et, mais nous devons gagner des éléments de désaccord. Désaccord profond. Désaccord profond, désaccord politique. D'accord. Parce que nous comprenons que et le mécanisme qu'il y a mis en place pour choisir, c'est des mécanismes et que nous pas fin comprendre qui est-ce qui contrôle ce mécanisme. C'est politique, moi. Là, nous voulons dire, nous devons dire, auditeurs, téléspectateurs, avec internautes, ok, et que mécanisme, maintenant Michel a parlé, c'est ça si vient d'hab d'hier. Ça t'a expliqué que nous t'a cherché à comprendre. Non, Mabdou, quand nous avons fait l'alternative consensuelle en 2019, nous faisons un mécanisme. Nous faisons un mécanisme politique, un mécanisme de choix.
Bon, il est démocratique, mais c'est nous-mêmes qui te mettons la donne. Et comme c'est nous-mêmes qui te mettons la donne, nous ne pas prendre surprise dans le choix où tu vas le faire. Et nous te mettons, même s'il est démocratique, mais nous te mettons. Et on n'a pas eu de surprise. Soit font mécanisme dans Scoop FM, même s'il est démocratique, c'est vous-même qui PDG Scoop FM, vous n'aurez pas de surprise à la fin. Vous pensez à sortir. Maintenant, si mal rencontré des mon non commission, ou dis-moi font mécanisme, nous faisons comprendre le mécanisme. Nous faisons nous faire. Nous faisons le mécanisme ensemble. Oui. On va dire que nous rentrons dans le mécanisme, on a un mécanisme, on va dire mettre dans le mécanisme. Après, ça va faire comprendre cette démocratie. Mais franchement, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Hein? Moi, j'ai toujours respecté les gens. Moi, je vais être respecté également. Bref, je n'ai pas de gros problème avec eux. Cependant, nous croyons nous devons avoir des accords sur ça. Nous avons l'autre des accords qui n'ont pas besoin d'évoquer. Parce que dans le secteur démocratique et populaire, depuis 7 juillet 2021, Jovenel Moïse assassiné, nous avons l'autre posture politique. Nous avons posture de dialogue. Nous sommes dans le dialogue permanent. Nous sommes désormais dans une dynamique de consensus. Ça fait m'bawal dit tout désaccord nous avec eux. Parce que pas exclu que demain matin me rencontrer pour nous continuer de travailler ensemble. Mais si c'est dans la direction ça va aller, à quoi représenter à tel que représenter le secteur démocratique et populaire, pas sienne. Et nous-mêmes nous dit il faut une fusion des différentes démarches. Une fusion des différentes propositions de sortie de crise, il y a l'approche de la commission. C'est une approche, ça fait un, il y a l'approche des signataires du protocole d'entente, mes amis. Son deuxième approche, il y a l'approche du docteur Ariel Henry qui est en charge. Son troisième approche, il y en a d'autres. Son quatrième, maintenant. Son posture démocratique, où est là? Mettez toute approche ensemble pour nous sortir avec un seul et même proposition est-ce, consensuelle. Est-ce que, voilà la position. Est-ce que vous d'accord? Est-ce que vous d'accord? Non, attendez. Bon. Il y a bien pour vous venir si vous d'accord, si vous pas d'accord. Maintenant, si vous pensez que ces mécanismes pas eux même pour mon entrée là-dedans, ça ne marchera pas. Maintenant, si vous gagnez capacité pour vous pouvoir eux-mêmes, vous mettez prendre, bon, c'est pas un problème depuis que vous avez un pays, parce que c'est citoyen, même si vous pas dans ça y a fait. Si vous prenez un pays, vous mettez sécurité, m'a bénéficié, tout le monde a bénéficié. Si vous mettez l'école, tout le monde a bénéficié. Si vous mettez l'hôpital, tout le monde a bénéficié. Mais dans cette démarche politique, le secteur démocratique et populaire n'a pas la donne et nous ne pouvons pas adhérer. Si vous fusion de toutes les démarches, n'a pas confortable parce que nous n'avons pas besoin de président à tout prix. Nous n'avons pas premier ministre, nous besoin de mettre à tout prix. Nous voulons un consensus, nous voulons un accord politique. Tout à l'heure, m'a dit ça, nous pensons que nous avons un accord politique. C'est à toi, là-dessus. Je crois qu'on a travaillé avec la commission. Et subitement, je ne viens pas attendre encore. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Parce que, maintenant, Michel expliquait, il y a un problème avec le mécanisme. Et ou même qui s'est passé. C'est ça. Gary Mboal, plus spécifique toujours, par rapport avec la commission. Nous faisons 3 semaines. Alors, l'important pour nous, c'est ça. Ce n'est pas que jeudi a. Soit protocole d'attente, nous gagnons une proposition que nous faisons, et puis nous campons sous l'île, nous disons c'est lui pour appliquer. Non. Avec société civile, la commission, nous faisons plusieurs rencontres. Secteur démocratique, protocole d'attente, commission et, le pôle politique de sénateur Gentil. FPP. FPP. Nous sommes réunis. Et point ça, c'était le point de discordance. Quel point? Point de mécanisme. À ce moment, André Michel. Donc ça veut dire, l'idée point fait débat avant que sorte. Il y a cela un mois. Ça n'a pas l'air là. Nous réunis, et comme point était objet de discordance, nous te dit, on fait consensus au sommet. De façon à ce que nous puissions résoudre la question point. Parce que dans les accords en général, problème qui toujours posé dans la question gouvernance là, c'est quelle gouvernance? Bicéphale. Est-ce qu'il y aura un organisme de contrôle? Oui. La feuille de route, nous d'accord déjà sur les fondamentaux. Ça toujours discordant, ça c'est la gouvernance. La gouvernance. Qui sera président et qui sera premier ministre? Maintenant, si on propose un mécanisme, tout le monde n'est pas d'accord sur lui, faut nous te dire qu'il faut consensus au sommet. Au sommet.
il n'y a pas de marché. Et après la réunion, ça, nous fait au moins une dizaine de réunions à la commission. Et nous disons que le mécanisme là, mécanisme que vous proposez, là, pour nous, il y a un problème, on nous prend un mécanisme universitaire. Comme ça, et. Ah oui, parce que. Il y a bien vieux. Oui, parce que ce n'est pas nous-mêmes qui écrivons, ce n'est pas nous-mêmes qui écrivons. Il y a pas vu. Il dit nous, est-ce que nous avons corrigé le mécanisme pour nous proposer ce que nous avons fait? Ceci a été fait. Ah oui, nous-mêmes nous faisons, nous proposons, et c'était le jeudi avant le lundi. Là, nous proposons, nous dit que, on mécanisme, Gary. Depuis qu'il commence à dépasser 50 personnes, il commence à avoir un problème. Nous disons, on fait un mécanisme succès entre société civile et politique. Parti politique. Et puis, à partir de ce moment, l'on dit, par exemple, secteur religieux, on connaît exactement ça que la donne. L'on dit, secteur paysan, on connaît ça que la donne. Et l'on dit, secteur politique, là, nous avons divisé ce secteur. Nous dit, il y a les signataires du protocole d'attente, il y a ceux qui n'ont pas signé. On nous fait le représenter comme ça. Mais l'on vient discuter. Ils ont proposé 19 personnes dans la politique là. C'est oui, c'est ça, vous dit. 19 personnes dans la politique là, Gary. Pendant que SDP, qui sont un secteur important, Dioport, qui rassemble 9 partis politiques. Parti fort. Parti qui était inscrit dans la dernière élection. Dans 19 partis qui étaient. Et qui était représentant dans le Parlement. Qu'on y a, moi, c'est deux partis, on représentant. Semblait que son bagage on fout tout. Qui peut permettre à n'importe quel moment, il y a des violences, parce qu'il y a 200 partis politiques dans le pays. Donc ça veut dire, ou même, tant pour est-ce qu'il dit pas, tant pour est-ce que chaque parti politique doit faire. Donc la tendance, c'est de diviser les partis pour que, ou qu'il y a toujours une manœuvre, pour que, dans le choix, ça rembérerait les descents pipés. Alors que nous-mêmes, ça nous te dit. Dieu dit ça, les descents. Nous-mêmes, nous te dit, il faut favoriser les regroupements politiques. Ok. Les regroupements. Donc, le vendredi, justement, le yomete 19 nous dit non. Nous dit faut le redescendre à 9. À 9. Et à partir de là, nous-mêmes, nous avons d'accord pour avancer. Bon, on n'a jamais retrouvé la copie. Et on a fait signer lundi. Donc nous-mêmes nous dit la différence qui gagne. Comment on a fait signer lundi? Bon, on a lancé la signature. Sans vous alors? Oui, sans nous. Parce que jeudi, on était ensemble. On n'a pas pu trouver l'entente. Et on a fait la signature. Mais pour le moment. Nous-mêmes, ça nous dit. Pour un discours dans cela, c'est mécanisme-là. Et si gagné, je dis à une institution, un groupe qui dit que y a gardé des questions pour que mécanisme réponde à attente groupe, il n'y aurait pas de problème. Parce que dans l'accord, l'accord ça a reflété déjà ça que tu as gagné dans Mariotte, ça que tu as gagné le 3 janvier, ça que tu as gagné le 5 juin. Donc, sur la question de la gouvernance, la feuille de route, sur la question de l'organisme de contrôle, sur la question des fondamentaux, les refléter. Donc, je dis à cette question mécanisme-là, et moi-même, je pense que je dis à ce grand mécanisme, il faut que tout le monde qui l'a donné, il est clair pour vous. Il faut qu'au départ, il n'y aurait pas de surprise. Il faut au départ que le mécanisme il est connu du grand public. Que c'est un mécanisme qui permet que il y ait des gens qui ont choisi et les gens qui ont répondu à des critères. Donc, moi-même, moi crois que je dis à le que il y a des groupes qui disent mon travail, que a fait quand on marche pour la vie, pour comment pour rassembler ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus de points de concordance que de discordance. Non, marche pour la vie, ça, ou pas qu'à rejeter accord. Accord peut-être de SDP, feuille de route, et la question de l'organisme de contrôle, c'est la même chose. Dans que le protocole de mais écoutez, c'est la même chose. Mais attendez, qu'est-ce qui fait problème non. Sur la commission? Il faut se parler très franchement. Franchement, oui. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que ce groupe de la société civile veut prendre le pouvoir. Ah bon? Mais c'est la vérité. De quoi s'agit-il? Ils veulent prendre le pouvoir. Parce que c'est une constante dans l'histoire politique haïtienne. Que société civile là, l'équité politique là, goumen. Le revenu au moment M, il prend pouvoir. Ça a préféré nous à 54 alors. Oui, c'était fait en 2004. Oui. Rappelez-moi ça, les âmes jeunes petits garçons, j'avais entre 27 et 28 ans. Et nous faisons une bonne bataille, etc. Le ça nous était face à Jean-Bertrand Aristide, un jeune militant kid. Quelle est ton actualité civile qui paraît? Ils ont fait un collectif, je vais inciter non parce que je n'ai pas besoin d'attiser des accords. Oui. Et puis, ils
ils sortent le pouvoir. C'est-à-dire que si c'est l'objectif, ils veulent prendre le pouvoir. Mais ils veulent prendre le pouvoir de manière détournée, parce qu'ils n'ont pas qu'à dire qu'ils veulent prendre le pouvoir. Maintenant, ça complique la situation. Je crois que la démarche de la société civile complique la résolution de la crise. Cette volonté de prendre le pouvoir de manière détournée, et comme si mon politique n'a pas gardé, il n'y a pas ni gardé figure qui te reprendre. Bon, moi c'est si on peut prendre, on peut toujours prendre. C'est politique. Même pas croire que les acteurs politiques ont pral facilité la tâche, j'en voulais faire là. Tout compte fait. Moi je crois que la situation n'est pas perdue. S'il y a encore espoir. La situation n'est pas perdue, à notre avis. Espoir. C'est la position du secteur démocratique et populaire. Et ce n'est pas malsain de vouloir prendre le pouvoir, puisque on est capable de servir le pays. Bon, là, on va au bénéfice du doute. Même quoi que par aucun groupe, quitte son groupe, tant que secteur démocratique et populaire, qui bataille et ces quatre dernières années, quitte ses mes amis du protocole d'entente, qui gourmet, qui ont représentativité, qui ces groupes GDON Jean, que le secteur démocratique la travaillant avec les empires ces derniers temps, qui ces groupes ça qui dans la société civile, qui c'est Ariel Henry, par aucun groupe qui a un pouvoir, qui a une autorité pour prendre pouvoir pour quoi je dis. Nous avons besoin de négocier un accord politique. Voilà pourquoi nous autres du secteur démocratique et populaire, nous disons, l'essentiel, c'est d'arriver à un accord politique. Un accord politique qui peut permettre que nous montions véritablement un gouvernement de consensus. Un accord politique qui permette que nous fassions un conseil électoral. Pas bien élection, on en fait année, bien sûr. Pas mais qui dit nous, dans quel moment on a fait élection. Un accord politique qui peut mettre nous un leadership dans la police là, qui peut garantir sécurité et puis casser les groupes armés. Un accord politique qui permette libération prisonniers politiques qui le fait le plus vite possible. Un accord politique qui permette que nous mettons l'ordre dans la gestion des finances publiques, un propre désordre, si on a fait pays à pauvre. Faut nous faire gros débat national là, que nous-mêmes nous les conférences nationales. Faut nous faire débat sur la constitution. Hein? Faut nous faire un accord politique. Nous-mêmes, dans le secteur démocratique et populaire, nous disons, je dis, nous évoluer. D'ailleurs, nous dit, que ça soit un exécutif bicéphale. C'est ça, nous souhaitons nous-mêmes dans le secteur démocratique, un exécutif bicéphale. Que ça soit monocéphale ou bien tricéphale, parce qu'il y a un monde qui dit triumvirat. L'essentiel, c'est d'arriver à un accord politique qui tenu compte des revendications de la population. Parce que le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte particulier. Quel que soit bicéphale, monocéphale, tricéphale ou mété, l'IPAP constitutionnel, c'est légitimité la gagne, puisque par aucune provision constitutionnelle qui capable de permettre de dire choisir un président ou mettre un gouvernement, c'est l'accord politique seul qui est fondamental, c'est le consensus qu'il faut privilégier. C'est dans la dynamique ça, secteur démocratique et populaire aillé. C'est ça que fait. On a continué à discuter avec les amis du protocole d'entente, Matin Ambalage et Déon, Marché pour la vie. Bon, c'est vrai, nous pas parler encore avec mon et commission, même si nous pas exclus pour nous recommencer. C'est pas la même, mais nous pas parler. Mais ça fait longtemps que nous pas parler. Depuis la dernière réunion, nous avons fait dans le bureau centre de la Tortue, nous avons parlé plus qu'un mois, nous pas parler avec eux. On a continué à discuter avec M. Ariel Henry, ok? Et nous dit que nous prenons responsabilité. C'est-à-dire au moment opportun, n'action à accord politique pour nous débloquer la situation. Depuis revendication de la population en accord politique, là, n'action. Parce que nous n'avons pas un président besoin de mettre à tout prix. Nous n'avons pas un premier ministre nous besoin de mettre à tout prix. Depuis tout groupe est d'accord sur le monde, nous n'avons pas avancé. Est-ce que c'est un tour de pas un problème côté, et ni mettant des Michel tout. Monde qui est dans la commission, ils passent aussi des ayants droit en matière. David dit de respect dans ce pays, puisque il y a des plus meilleurs, il y a des qui écrit bien, il y a tout. Politique, tout. Un petit moment, maître Michel. Il y a tout, c'est des nègres qui sont altermondialistes. Il y a toujours, ouais, députés, sénateurs, nègres qui ont fait politique.